Je me suis déguisé en citrouille parce que c'est Halloween. Ah ben dis donc, vous aussi vous êtes déguisé. Je vois des sorcières, je vois des fantômes. Coucou les enfants, coucou Popette. Ah, on parle de fantômes, y'a v'là. Ah, j'ai peur, j'ai peur. Mais arrête Popette, c'est moi ton cousin Zozo, voyons. Oh, oh, ah oui, je te reconnais Zozo, c'est vrai, c'est toi. Mais oui, moi aussi je me suis déguisé pour Halloween, voyons. Dis donc, Popette, on dirait bien que tu as peur des fantômes, toi. C'est-à-dire que... Bon, Popette, tu as peur des fantômes ou non? Bon, mais c'est ça, j'ai demandé aux enfants. Les enfants, est-ce que Monsieur Popette a peur des fantômes? Mais criez plus fort, moi, on ne vous entend pas. Est-ce que Monsieur Popette, il a peur des fantômes? Ah, tu vois, Popette, il y a un enfant qui a dit oui. Bon, d'accord. C'est vrai que j'ai un petit peu peur des fantômes. Bon, écoute, pour te rassurer, je vais aller voir derrière le petit théâtre. Ne bouge pas, je reviens. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il est gentil, mon cousin Zozo. Avec sa boule mystérieuse. Mais c'est quoi ce truc? Eh bien, c'est une boule qui jette des sorts. Ah? Et qu'est-ce qu'elle jette comme sort? Eh bien, elle peut te transformer. Ah bon? Et tu crois qu'elle va pouvoir me transformer en une bonne tablette de chocolat? Ah non! C'est vous les enfants, c'est vous qui faites ce bruit pour me faire peur, c'est ça?